Recoucou mes loulous. Donc là, je vous ai fait la vidéo comment faire un déblocage avec la graine de baraka. Là, je vais vous donner un rituel pour être accepté là où vous allez. Si vous avez une peau de lion, une vraie peau de lion, ou une vraie peau de gazelle, ou une vraie peau de d'hyène. Ok. Une vraie peau. Si vous n'avez pas de peau, vous allez prendre un linge sale. Si vous êtes en conflit avec votre amoureux ou amoureuse, vous prenez, la femme, elle prend sa culotte. L'homme, tu prends ton caleçon et vous allez couper un petit morceau. Alors, la culotte ou le caleçon, attention, ne prenez ni couleur noire ni couleur sombre. Vous prenez une culotte blanche ou beige. D'accord? C'est pour l'amour. Évitez tout ce qui est sombre, noir, gris. Non, vous prenez une culotte ou un caleçon blanc ou beige. Ni bleu, ni gris, ni rien. Beige ou blanc. Les mecs, achetez un caleçon blanc. Culotte, un slip de papy. Alors. On a débloqué avec la graine de baraka. La vidéo sera, je crois, peut-être un petit peu longue pour vous montrer comment on fait. Si vous n'avez pas de peau, vous prenez votre culotte. Ça, c'est pour les amoureux. Pour les personnes qui veulent, par exemple, acceptation, que ce soit pour travail, que ce soit être aimé pour trouver du travail, être aimé par les collègues, être aimé par la famille, être aimé partout. Là où vous passez, on va pas vous chercher des histoires, on va dire. Même avec les voisins. Ok. Vous allez prendre votre linge t-shirt. C'est pas un caleçon. Le caleçon et la culotte, c'est pour les amoureux. Par exemple, pour les amoureux, l'homme ne veut plus, il y a des conflits, il y a des disputes. Ça, c'est pour calmer l'affaire. Et pour les personnes qui veulent avoir de la chance, l'acceptation qu'on appelle le crouboule, que ce soit avec les collègues ou autre chose, ou pour trouver du travail, ou pour être accepté partout, on va dire. Vous prenez un vieux t-shirt blanc ou beige. Vous dormez avec. Alors, la culotte, excusez-moi, il faut une culotte sale. Les mecs, il faut un caleçon sale, c'est-à-dire pas lavé. Il faut votre transpiration. Alors, pour les autres personnes, il faut un t-shirt blanc ou beige. Pas une autre couleur, pas de sombre, rien du tout. D'accord? Si vous n'avez pas de peau de lion, vous prenez le t-shirt, vous le posez. OK. Vous allez le mieler avec du vrai miel. On a mis le miel. On va mettre 7 graines de nigelle. Nigelle, c'est ça, hein. Trouvez ça au supermarché. Moi, je l'achète à Carrefour. 7. D'accord? 7 graines de nigelle. Vous allez mettre. Excusez-moi. Dix. Pour les personnes qui veulent être acceptées, que ce soit au travail, par les collègues, partout, là où vous allez, vous mettez 10. Pour les amoureux, vous mettez qu'une graine du diable. Qu'une graine. Et pour les autres, ceux qui utilisent le t-shirt, vous mettez 10. OK? Vous mettez une feuille de stibine, la feuille de nasr. Une feuille. Vous mettez une feuille. OK. Vous allez. J'arrive pas à trouver. Excusez-moi. Vous allez mettre un petit bout de musc blanc. Un petit morceau. Vous allez mettre un petit morceau de musc noir. OK? Vous allez mettre un petit bout de cannelle en bâton. Alors. Vous allez mettre, alors attendez, wow. Un petit morceau
de cannelle en bâton. Soit vous la vous pilez, pas en poudre, hein. Soit vous pilez, soit vous mettez le petit bout. D'accord? On va mettre ça, pour trouver en français, je suis désolée, secta et mescuta. Secta et mescuta. Ça s'écrit comme ça, parce que j'en suis sûre qu'ils vont me demander, je vais me demander comment ça s'écrit. Secta, wa, mescuta. C'est-à-dire, tu vas faire taire les gens, même les collègues. Les collègues qui parlent sur vous. Ça s'appelle secta et mescuta. Vous allez mettre une petite pincée dans le t-shirt ou dans la peau d'animal. Ok. On l'appelle secta et mescuta. Ensuite, on va mettre une petite branche de racine, une petite branche. Voilà. Une petite branche de racine de garance. Une petite. Ça, c'est la racine de garance. Ok. On va mettre ça. Une petite pincée. Elle râle pas. On va mettre elle selle pas. Une petite pincée. Et on va mettre ça. El ralba, ça veut dire tu l'es, el hakma, ça je l'ai pas. El hakma, ça veut dire tu les commandes. C'est toi, t'hakmi fihum, tu les commandes. Tu mets une petite pincée. C'est pareil, c'est des toutes petites graines comme ça, d'accord. Une petite pincée, d'accord. Et là, on a tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Secta ou mescuta, je vous l'ai dit. Hein. Vous mettez une petite pincée. Le henné, si vous avez des feuilles de henné, vous prenez une feuille, vous l'émiettez. Si vous n'avez pas de feuille, vous mettez vraiment un tout petit peu de henné. Mais vraiment un tout petit peu. Donc là, on a mis. Pour les amoureux qu'ils utilisent avec la culotte, vous allez prendre l'eau de rose. Dans un petit peu dans le bol, avec vos doigts, vous allez faire ça dans les produits que vous avez mis, tous les ingrédients, juste comme ça, d'accord, quelques gouttes. Pour les autres personnes qui veulent, pour par exemple être acceptées ou avec les collègues qui vous aiment pas ou avec le patron ou n'importe, vous mettez l'eau de fleur d'oranger. Ne mélangez pas les deux eaux. Hein. Pour les amoureux qui se disputent que le mec ou la nana a quitté le domicile, c'est l'eau de rose. Sinon, les autres, vous mettez l'eau de fleur d'oranger. Donc, là, on a tout mis. On va venir et on va coudre le tissu. Si c'est une peau d'animal, coudre, mais avec un fil blanc. Ne cousez pas, faut pas coudre avec un fil noir. Jamais. Ni bleu, ni vert. Un fil, ni rouge. Il faut un fil blanc. Ensuite, on va allumer ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense. Donc, le tissu ou la peau d'animal, il faut mettre du miel. Hein, du vrai. Donc, là, attendez. Oh, il faut mettre un bouton de fleur, un bouton de rose. Il ne faut pas mettre les pétales. Ok. Là, on a fini. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va allumer notre charbon. On va mettre un encens de lilas, un encens d'oliban, on laisse une fois que la fumée commence à s'échapper. Là, on va prendre le tissu qu'on a mis tous les ingrédients dedans et au-dessus, on va le parfumer. Bien comme il faut. Ok. Vous l'avez parfumé, n'oubliez pas le musc noir aussi hein, dedans.
Parce que j'ai parlé du musc noir et blanc. Oui, dans le tissu ou dans la peau d'animal, un petit morceau de musc noir. Un petit morceau de musc blanc. De musc blanc. Mais un petit morceau. Et vous allez coudre tout ça. D'accord? Et parfumer tout le tissu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le mettre dans votre sac à main ou dans votre poche, à une condition, vous le portez à droite, mais jamais à gauche. Jamais à gauche. Vous le portez toujours à droite. N'oubliez pas qu'à chaque fois, une fois par semaine, au moins une fois par semaine, d'allumer le charbon, mettre et prendre soit la peau d'animal, soit le tissu et le parfumer de temps en temps. Faites-le une fois, au moins une fois par semaine. Et parfumez. Vous le portez toujours côté droit, sac à main ou poche. Évitez de rentrer avec aux toilettes. Le travail sera foutu. Évitez de rentrer aux toilettes. D'accord? Donc, et vous verrez que vous allez être accepté là où vous allez. Par contre, si vous le faites, ne le dites à personne. Si, quand vous le portez avec vous, ne dites pas aux gens « Ouais, j'ai quelque chose avec moi pour ce bonheur. » Non. Non, ça c'est une faute. Sinon, si vous le montrez ou vous parlez, ça ne va pas fonctionner. Ça va tuer votre rituel. Vous le faites, vous le portez discrètement et ne le montrez pas. D'accord? À condition, vêtements ou culottes ou caleçons, pas propre, il faut que ça soit sale, il faut votre transpiration. D'accord? Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Gros bisous!